Et salut à tous et à toutes, c'est Toupika, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve les gens, enfin pour la suite de nos aventures sur Jak and Daxter, The Precursor Legacy sur PlayStation 3. Et aujourd'hui, nous sommes dans la citadelle de Golemaya, et on commence fort en butant des lurkers. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je ne sais pas si je vais arriver à finir le jeu. Ce serait cool, honnêtement, que je puisse finir. Mais je ne sais pas, voilà, je serais capable de faire une vidéo d'une heure en fait, mais je sais pas si ça va durer plus longtemps. Si ça dure plus d'une heure et demie, non, c'est pas possible. Mais une heure, 55 minutes, là je suis d'accord, je peux vous proposer ça, mais sinon plus long, je ne sais pas. Donc on verra bien où on en est au cours de cette vidéo. Donc on doit libérer les quatre sages. Les sages, vert, bleu et jaune et rouge. Hein, si je sais compter le nombre de couleurs. Alors, hop, il va y avoir des séquences à base de plateforme, plein de séquences à base de plateforme dans cette citadelle de Golemaya, et je vais fail, c'est sûr, il va y avoir des fails, ça c'est sûr, donc ça commence déjà bien, et il va y avoir surtout pas mal de mécanismes, donc déjà on commence avec un petit mécamouche, d'ailleurs, oui, là, on a que à libérer le sage bleu, rouge, jaune et les mécamouches, donc je pense que ça devrait aller assez vite normalement, c'est pour ça que je pense pouvoir finir cette vidéo, enfin ce jeu dans cette vidéo, donc... On a les petits mécanismes comme je vous ai montré tout à l'heure où dès que vous en fait au final appuyez sur une couleur et bien elle disparaît et je suis baisé parce que ah on va essayer de récupérer tous les orbes mais ça va pas être simple hein. De toute façon on va devoir se suicider je pense parce que voilà. Oh peut-être que oui nickel voilà j'ai récupéré tous les orbes et j'ai réussi à passer donc une petite salle. On va détruire les caisses d'orbes. Oh. D'accord, ok. Ça me fait pas peur, moi. Osef, on est des putains de warriors. Allez. Oh, putain, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, les salauds. Oh non, c'est des petits sauteurs super durs à choper. Non, 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 non. Oh, merde. On va devoir avancer très, très vite jusqu'à l'écho rouge. Non, non, non. Écho rouge. Allez, dégage. Il faut péter les générateurs. Allez. Stop. Il y en a plus qui spawn normalement. On va tous les tuer. Putain, ça me donne un max de vie, ces saloperies. Allez. Ouh, j'adore ce genre de séquence. Complètement what the fuck. Avec plein d'ennemis. Ah non, par contre, lui, il faut pas qu'il... Oh, c'est bon. Bon, on les a tous tués. Pensez bien à arrêter les générateurs avant de continuer, évidemment, parce que sinon ils spawnent à l'infini. Et c'est un petit peu couillon. Il y a des orbes à récupérer ici. Voilà. Et je n'en ai pas oublié. Je regarde juste là. Ok, c'est bon. Et ben c'est parti, on continue. Il va y avoir plein de petites épreuves comme ça pour pouvoir libérer les différents sages. Et bah ça va pas être simple, hein, parce que encore, il y en a certaines qui sont relativement simples. Ça peut aller. Encore il y en a d'autres qui sont vraiment mais vraiment hyper chaudes. Alors là, comment je peux faire? Là je dois avouer que j'ai mal calculé mon coup. Oh merde, on recommence de là. Oh c'est bâtard. Oh la vache. Il n'y a plus les petits gars là. Ils spawnent plus là. Ouais ouais, on arrête de spawner. Oui, oui, non, c'est bon. Ils ne sont plus parmi nous. Alors. Ok, on va y aller maintenant. Oh putain, j'ai failli fail. Allez. Et là, on va faire un saut enroulé. Oh, nickel. Bon. Voilà un sage. Écoutez, je crois que c'est le sage rouge. On va péter le générateur pour gagner la pile d'énergie. Et première pile d'énergie de cette citadelle. Vous venez enfin à mon secours. Vous savez depuis combien de temps je suis là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Comment vous appelez-vous? Je suis Daxter. Et lui, c'est Jak. Il m'accompagne. Bien joué, Daxter. Tu es un vrai héros. Il faut que vous empêchiez Gold de lancer le robot. Je vais utiliser mon pouvoir pour ouvrir le champ du bouclier. Bah oui, ce serait intéressant d'essayer de s'y mettre, hein, peut-être, parce que bon, ils vont juste détruire le monde, hein, enfin bon,
ça ne te fait rien. Donc il faut que les trois pouvoirs des sages soient combinés, enfin les quatre pouvoirs des quatre sages, pardon, soient combinés pour pouvoir péter le bouclier et pour qu'on puisse nous-mêmes péter le robot au final. On va activer ça, on va récupérer les trois petits orbes. Et évidemment, je rate celui que je voulais prendre. Est-ce que je peux le tenter? Non, je ne peux pas le tenter. Et si, et on va recommencer. Voilà. Hop. Ça c'est d'ailleurs un système d'énigmes qu'ils reprendront dans dans les autres Jacks, en fait, qu'on retrouvera dans Jack 3, je crois. Alors, je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est un système qu'on retrouvera tout au long de la série. Un petit play donc plutôt amusant. Aïe aïe aïe, je vais pas pouvoir tout ça récupérer. Donc là j'appuie pour les réinitialiser, hop, et les faire réapparaître. Comme ça on va pouvoir récupérer les orbes qui nous manquaient. Et hop, voilà. Alors, je crois que ça c'est pas facile du tout. Ok, ah ouais, non, je déteste ça honnêtement. Donc d'ailleurs, je voulais vous dire juste vite fait, si vous regardez cette vidéo, que j'étais un petit peu désolé du manque de contenu de la chaîne, sur la chaîne ces derniers temps. Mais c'est vrai que évidemment au début de la... Alors là il faut s'accrocher sur le bord pour pas se faire niquer par le... D'accord, très bien, ça commence bien. Donc comme je disais, oui, je suis désolé si je produis pas beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu en ce moment. Mais au final c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de boulot et personnel à fournir en ce moment. Au niveau des contrôles, ce genre de choses là. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à moi pour pouvoir faire des vidéos. Au final j'ai que le week-end. Et je vous avoue que bon bah ça m'énerve parce que... What the fuck, il s'était accroché. Ah ça m'énerve par contre. Il avait fait l'animation pour s'accrocher et il ne s'accroche pas. Et bon, on se profite de ce fail pour vous dire que voilà, je suis désolé, je sais que je produis pas beaucoup de contenu et que bah, vous aimeriez sûrement en avoir plus. Mais voilà, je suis désolé, je peux juste pas faire plus parce que bon, il y a quand même des priorités plus importantes que YouTube à mon niveau en final. Voilà, on s'arrête là. Et là, on tombe, voilà. Qui nous permet de passer ici, voilà. Faut bien s'accrocher sur le bord, c'est la meilleure technique je pense, puisque comme ça bah vous faites pas griller par l'espace de laser. Oula, non, je suis trop court, merde. Oh putain, c'est vraiment... Oh. Alors là les gens, attendez-vous à beaucoup de fails dans cette vidéo, franchement, hein, je vous le dis, si vous voulez voir une vidéo avec des fails, c'est celle qu'il faut regarder, parce que les séquences de plateforme sont tellement... Enfin, c'est vraiment pas simple, et moi je fail beaucoup sur les séquences de plateforme, donc voilà. Au final, si on le fait d'un coup sans failer, ça dure vraiment pas longtemps, cette citadelle de Golemaya, mais putain de merde. Alors ça m'énerve le plus quand tu... C'est vraiment la plateforme à l'ancienne, ce jeu-là, c'est ça d'ailleurs qui fait son charme. Mais vraiment, c'est vraiment calé au millimètre près, quoi. C'est pas comme dans un Uncharted où si vous sautez un petit peu trop court, eh ben le perso va limite se téléporter un petit peu vers la plateforme pour pas vous faire tomber. Là, si vous êtes un millimètre trop court, eh bien vous tombez comme une merde, hein. C'est vraiment ça. Mais putain, ah non, mais vraiment ça me tue, ça par contre, hein. Jack s'accroche, il fait l'animation, mais non, en fait non, il ne veut pas. Encore, je pense que des 4 séquences pour les sages, je crois que c'est celle-là qui m'énerve le plus, celle que je suis en train de faire. Donc bon, je pense que ça devrait aller. Voilà. Putain, enfin fucking accroché. Et maintenant... Voilà. Hop, on va attendre qu'ils reviennent. Et donc là, il faut faire un saut enroulé. Oui, il faut le savoir, il faut le prévoir. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut activer les trucs avec les cobleux. D'accord. Ouh la vache. Putain.
Est-ce que vous croyez qu'il faut encore continuer avec Echo Blue? Est-ce que j'ai raté deux orbes déjà? Non, pas d'orbes ratés, très bien. Écoutez, on va éviter, on va attendre que le que l'écho bleu se dissipe, voilà. Alors là, comment je peux faire? Et là, faut sauter sur le suivant pour pas se faire niquer par le machin. Et là, va falloir faire un saut enroulé, je pense. Voilà. Oh merde, y a des... Fuck, y a des orbes. Ah les salauds. Ah, je dois vous avouer qu'ils m'ont bien eu sur ce coup là. Je me doutais pas du tout qu'il allait falloir garder les orbes, enfin la... l'écho bleu en charge. Merde. Donc on va reprendre à partir d'ici. Et on va foncer. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Non, 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 non. Oh putain, non. Oh le fail que j'ai failli faire. Nickel. Pouf, ça a débloqué juste à temps. Et on récupérera tous les beaux petits orbes. Ce qui nous en fait donc 362, pas mal. Et nous voilà enfin devant le sage bleu. On va péter ça, hop, pour la pile d'énergie. On se rapproche doucement mais sûrement du but, on est à la moitié du travail fait, on va dire. Bien joué les amis, le vieux Samos, vous avez bien jugé. Des grands tas de métal précurseurs. On ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager. Je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant un flux énergétique entre le grand portail et moi-même. On fait comme ça. Et ben nous, pendant ce temps-là, on va chercher de l'aide. Complètement fini ce type. Sans blague, tu crois vraiment Daxter qu'il est fou? Moi je ne pense pas, je pense que c'est un grand incompris en fait. Hein. Non en fait c'est juste un gros taré. Oh le sage jaune! Il est juste là. Ça c'est marrant, on pourrait pas y aller directement. Bon je pense que c'est fait pour pas qu'on puisse y aller directement, mais quand même, on pourrait pas y aller directement. C'est bizarre. Bon tant pis. Il faut passer par ici. Non? Ah non. Ah non, il faut rentrer là-bas. Ah oui, alors attention, c'est pas... Ah d'ailleurs, ça me fait voir que j'ai oublié un mécamouche juste ici. Vous n'avez pas pu me dire quand j'étais passé devant tout à l'heure, hein? Hey, franchement, vous êtes vraiment chiant. Hein. Vous êtes toujours pareil de toute façon. Putain de merde. Non bien sûr je vous adore et vous le savez. Je suis pas déjà passé là-bas. Ah bah non je suis pas déjà passé. Ouf. Oh ce bug. Oh la vache. Ce bug qui m'a un petit peu sauvé la vie on peut dire, mais bon. J'aime les bugs. Les bugs c'est bien hein, parce que des fois franchement ça vous sauve la mise d'une façon assez intéressante. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ici? Ouais, de toute façon il faut que je fasse les épreuves parce qu'il y a des orbes, il y a les mécamouches à choper et tout, donc je suis obligé de faire toutes les épreuves. De toute façon. Hop, déjà on va récupérer tous les orbes. Et voilà. Donc ensuite on va reprendre ça et qu'est-ce qu'on a à faire là? Oh merde, ça va pas être simple. Allez là on se repropulse. C'est bon, j'ai tous les orbes. Oh, non, non, non. Alors là, par contre, si vous les faites se déplacer, les gens, ça va vraiment pas me plaire, je vous le dis. Oh, non, non, non. Oh, merde, ils ressortent à chaque fois. Putain, c'est con. Je vais attendre de repasser au milieu. Allez, hop, c'est bon. Oh, putain, cette séquence. Ah ouais, il faut que je prenne vraiment tous les orbes. Il faut que j'attende. Le problème est là. Et j'ai presque pu avoir des coups. Ok, c'est bon. Heureusement qu'ils ont redisséminé des petites boules d'écho bleu parce que sinon j'étais vraiment dans la merde.
va prendre... Oh. C'est bon. Oh non, 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 non. Merde, j'ai voulu sauter sur ça là pour prendre l'écho bleu, mais je me suis dit, non, finalement, ça bouge trop vite. Bon, tant pis, on recommence. Ça va pas être simple, hein. C'est moi qui vous le dis. Bon, du coup, là, vu que je vais pas perdre mon temps à essayer de récupérer les orbes, je vais avoir une plus grosse charge d'écho bleu, je serai pas forcément obligé d'attendre les petites boules. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Faut vraiment anticiper les mouvements. Vraiment regarder si elles font des lignes ou des cercles ou je sais pas trop quoi. Putain, c'est vraiment pas simple, hein. Ok, là il n'y a pas d'orbe, c'est très bien. Oh non, j'ai plus d'écho. Fuck. Fuck, parce qu'il m'en fallait. Et que je peux pas retourner là-bas. Oh fuck. Ça, est-ce que je peux pas me suicider? Si, bah parfait. Donc il faut quand même que je ramasse quelques petites boules pour pouvoir récupérer les orbes. Parce que bien sûr, encore une fois, si vous n'avez toujours pas compris, je vous rappelle que je récupérais donc tous les orbes. Absolument tous les orbes des précurseurs. Ainsi que toutes les pieds d'énergie, toutes les mécamouches. Et donc je veux vraiment pas en laisser passer un seul. Allez voilà, comme ça j'ai repris la petite boule. Faut vraiment être pas loin au final hein, pour les boules d'écho bleu pour qu'elles se cumulent. Oh non, ça c'est mauvais. Yes. Je suis bon là. Là je suis bon. Allez. Oh, juste à temps. Juste à temps, c'est bon, je suis même atterri dessus. Et hop, on va récupérer tous les bons petits orbes. Ce qui m'en fait 450. Il m'en reste combien à récupérer dans cette citadelle? Plus que 20. Ah bah dis donc, ça va vite. Ça va très vite même. Bon, nous voilà enfin avec le sage jaune. Hop, on récupère la pile d'énergie. Au final, oui, j'aurai largement de quoi finir ce jeu dans cette vidéo, les gens. Bah en fait, ce sera vraiment la dernière vidéo de ce jeu. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaira. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Je vais faire payer cet affront à Gol et Maya très cher, ça c'est sûr. Et puis après, on s'essaiera à la soupe de ragondin. Montons sur ces plateformes. Montons sur ces plateformes, d'accord. Les plateformes sont où en fait? Sont en bas? D'accord. Mais je crois savoir d'acteur qu'il y a... Si j'ai bien gardé un mécamouche juste derrière ces plateformes qui tournent là, donc on va faire bien gaffe, on va y aller. Là. Où c'est? Oh non, merde! Fuck. Ah bon sang, la plateforme les gens. C'est pas une partie de plaisir tout le temps. Voilà. Voilà, j'ai failli refaire la même connerie. Et là, voilà. On récupère le petit mécamouche qui était bien caché. Heureusement que j'ai vu tout à l'heure. On va quand même repartir par en bas où il y aurait des orbes, non? Parce qu'on va repartir par en dessous, c'est ça qui me fait un petit peu chelou en fait. Merde, non! Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, donc je reviens là, très bien. Comme ça, on peut passer par là et. Normalement, voilà, on peut activer les plateformes. Je sais pas si ça fait quelque chose. Non, en fait, d'accord, il y avait juste pas d'orbe du tout à récupérer. Ok. Voilà. Donc, il faut monter sur les plateformes qui sont là-bas. Si je ne m'abuse, là, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire? Déjà, il y a des mécamouches là-bas. Là-bas, il y a un mécamouche, donc on va y aller. Parce qu'il faut quand même bien fouiller cette citadelle. Pour encore une fois ne rien rater. Par là, est-ce que je suis déjà passé? Non, regardez, il y a le sage vert qui m'attend là-bas. Je suis un petit peu dubitatif. Je sais pas trop à quoi ça peut m'avancer en fait de prendre des plateformes. Je vais y aller quand même. Voir ce que ça nous donne. Parce que le sage vert n'est toujours pas libéré donc.
Hop. On peut faire un long saut peut-être. Non, ça sert à rien. Hop. Oh la vache. Je sais pas du tout où je vais honnêtement les gens là. Dac. Oh what the fuck. J'avais oublié ça. J'avais oublié toute cette phase là. Ah ça va pas être simple. Alors, est-ce qu'il y a des orbes à récupérer en l'air? Franchement je n'espère pas. Parce que... Oh putain mais non c'est pas possible. T'étais dessus là Jack me fait... Oh non ça m'énerve par contre franchement les gens, je dois vous l'avouer. Le système d'accroche en fait de Jack est vraiment pourrave. Ce qui fait que bah je me fais à chaque fois tout simplement. Où sont passées les plateformes en fait? Elles sont là-bas. Je suis déjà passé par là. Ah, oh, je m'en souviens plus les gens. C'est grave, Alzheimer me guette, putain. Il faut que j'aille vérifier parce que je m'en souviens plus. Oui. C'était la phase où on a galéré tout à l'heure. Voilà. Et y a pas d'autre moyen d'aller voir le sage... Ah non, parce que là j'ai solidé l'autre tout à l'heure. Non, bah écoutez, non, c'est bon. Hein. Il faut bien prendre les plateformes. Et surtout ne pas se fail. Voilà. Non. Putain, et franchement, s'il était tombé là, je crois que j'aurais vraiment pété un câble, honnêtement, les gens. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? D'accord, il faut tout recommencer. Sympatoche. Voilà, et là, on grimpe ici. Voilà. Donc, on va attendre qu'il y en ait un autre qui passe. Parce qu'en plus, ils se déplacent assez lentement, les bougres. Hein. On va attendre qu'il passe bien devant pour sauter dessus. Voilà. Nickel. Donc, on va faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'il y a à faire en fait, parce que je vois pas vraiment où est-ce qu'il faut aller au final. Le problème est là, ouais. Oui, où se situe le sage vert en fait? Parce que j'ai vraiment du mal à me repérer. Parce que là, d'accord, on tourne autour du robot en fait, mais le sage vert il est où? Bon bah écoute, on va continuer à grimper hein. Hop, ah bah voilà des orbes. Les orbes qui devaient sûrement me manquer. Ah ça, ça doit être pour le sage vert, mais je vais pas le faire tout de suite. Je vais finir avec les orbes. Et le méca mouche. Voilà, qui me fait donc le 7ème pour avoir la pile d'énergie correspondante. Donc ça c'est déjà fait. On a tous les mécamouches du jeu, les gens. On a débloqué le trophée de... Eh bien, de... Trophée de d'or correspondant. Et on a 100 piles d'énergie, comme vous avez pu le voir. Et nous avons les 2000 orbes du jeu, les gens. Et nous avons également le trophée d'or qui correspond. Donc voilà, on a pour l'instant tout ramassé, tous les items à collectionner, on les a ramassés. Et les gens, il ne nous reste plus qu'à délivrer le sage vert et récupérer la dernière pile d'énergie du jeu. Et voilà. Bien joué mes garçons, vous êtes de vrais héros désormais. Je vais associer mon pouvoir découverte avec celui des trois autres sages. Et ensemble, nous ouvrirons le bouclier qui entoure le robot précurseur. Ça me semble un bon début. Et une fois le bouclier ouvert, qu'est-ce que vous allez faire du robot? Mais rien, Daxter. Nous devrons garder le bouclier ouvert.
et ce sera à vous de vous débrouiller pour détruire l'embout. Oh, génial! Je vais pouvoir aider le type qui m'a changé en poule de poil et détruire la seule personne qui puisse m'aider! Sauve d'abord le monde, puis on essaiera de convaincre Cole d'aider Daxter! Tu arrives trop tard, Samos. Une fois que je posséderai de l'écho noir en abondance, je détiendrai la clé même de la création! C'est de la folie! Si tu relâches autant d'écho noir, tu détruiras tout! Il n'y a qu'à voir ce qu'elle t'a fait! Elle nous a donné une beauté qui dépasse ta compréhension. Beauté? Vous vous êtes regardé dans un miroir récemment? Attends que nous ayons ouvert les silos, mon petit. Tu crois vraiment qu'être petit et poilu est grave? Quand je pense que vous avez fait tout ce trajet pour mon aide, imbécile! Profitez de vos places privilégiées pour assister à la recréation du monde! Tac! Prendons l'ascenseur et arrête ce robot! Oh putain les gens, ça sent vraiment pas bon. Ils vont juste tout détruire. Et franchement, ça le fait pas hein. Moi j'aimerais quand même rester un minimum en vie. On va les arrêter, on va leur niquer la gueule. Putain c'est parti les gens, le combat final est ici. Là maintenant, lâchez des gemmes pour ce putain de combat les gens. Nous y sommes enfin. Écoutez, nous sommes, voilà, c'est le dernier niveau du jeu. Le putain de robot est géant. Oh la vache, ok. On prend masse découverte. Écho bleu, on a une santé à fond, on y va. Il essaie d'ouvrir les silos pour libérer l'écho noir, et s'il y arrive, on est tous morts. Chose comme ça, pour vous le signaler. Ok, on va prendre déjà de l'écho jaune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? On peut le tirer dessus? Exact. Je pense qu'on peut aussi le tirer dessus avec ça. Directement. Voilà. Ok. Il veut nous attaquer. Merde, les silos sont un petit peu ouverts là. L'écho ne vous protégera. What the fuck? Je me souviens plus du tout des attaques. Il faut prendre le truc là-bas. Vite. Oh, c'est bon. Il faut prendre le tremplin pour pouvoir sauter avant que le... que le truc ne vous explose la tronche. Vous n'abandonnez jamais ou quoi? Bah non, écoute mon gars, on va pas se laisser tuer en fait hein, je vous le dis direct. Qu'est-ce qu'il fait? Oh fuck me. Oh la gueule des lurkers. Putain, ça c'est vraiment des lurkers vraiment pas gentils hein. On va éviter de les toucher parce qu'ils ont plein de piques. On va vraiment essayer de l'utiliser, enfin de les tuer avec le, avec l'écho jaune. Élimine-les une bonne fois pour toutes. À qui tu parles, connasse, à ton robot? Bah, je suis de s'en bien seul quand même. Il va lancer le truc. On va attendre que ça s'active. Saute. Merde, putain, le silo souffle de plus en plus, c'est vraiment pas rassurant. Il va falloir faire gaffe à pas tomber dans l'écho noir, bien sûr, parce que sinon, vous mourrez. Ok, c'est quoi ça? Ouais, non, mais je suis pas... Oh, ouais. Oh, d'accord. Il faut bien sûr éviter les trucs tout en leur tirant dessus. Oh, merde. Allez. Oh, c'est bon. Le truc est détruit. Avec le robot, il fait un petit peu pièce détachée, tu sais, genre recyclé. On l'a quand même mis ça à la gueule, on l'a quand même bien amoché la tronche. Ok, il prend le truc vite. Vite. Oh. Ok. Ça se précise. Qu'est-ce que tu fais? Oh la vache! Ok, là, il suffit juste de courir.
de pas s'arrêter. On va nous tirer dessus et pas tomber dans les couloirs. Putain la vache. Oh merde, il m'a touché. Ok, il s'est encore toute ma vie. T'arrêtes pas de courir, Jack. T'arrêtes pas, putain. Oh, c'est bon. Le dernier tir fatal. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. De l'écho de lumière, ça existe. Il ne faut pas qu'il s'en empare. L'écho de lumière, ça pourrait me retransformer. Ou bien, ça pourrait arrêter ce robot. Rester poilu, sauver le monde. Quel dilemme. Bon, d'accord. On sauve le monde. Mais vite alors, avant que je change d'avis. On peut voir que le Daxter a finalement quand même bien changé. Les aventures l'ont quand même finalement bien changé. Parce qu'il est finalement décidé à sauver le monde. Où est l'écho jaune? L'écho de lumière, elle est là. Fais quelque chose. J'ai été un peu dur avec vous. Vous êtes de la graine de héros. Mais Daxter, on ne va plus pouvoir te transformer. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais ce qu'on dit. Ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Jack, tu possèdes un talent incroyable pour canaliser l'écho. Samus, il semblerait que c'est toi qui avais raison après tout. Et Kiera, je dois dire que sans ton aide et ton ingéniosité, rien de tout cela n'aurait été possible. Peut-être avons-nous trouvé un autre sage maintenant que Gol et Maya sont perdus. Oui, Gol et Maya. L'écho noir les a probablement détruits. Probablement. Ah, quelle importance! Ramenez-les, on leur fera leur affaire, pas vrai, Jack? J'ai dit, pas vrai, Jack? Oula! Calme tes ardeurs, mon pote. Et donc, voilà, les gens. C'était la fin de Jack and Daxter, de Precursor Legacy. Sur PS3, on vient de finir le jeu. Hein. Écoutez, ça sera fréquent, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Une demi-heure. En tout cas, voilà, on peut voir que la fin est quand même... toujours dans l'esprit du jeu, vraiment marrant, et puis que finalement, Daxter a renoncé à sa soif de redevenir comme avant pour au final servir l'intérêt des autres. Et on peut voir que toutes les aventures qu'il a subies, au final, ça a un petit peu changé. Enfin bon, j'espère que que ce Wokfu vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais pris un réel plaisir à vous le commenter, comme toujours. Puis parce que c'est vraiment un jeu que j'adore, ça a vraiment été l'un de mes jeux préférés ever, j'ai envie de dire. Ça a été vraiment mon premier gros jeu avec vraiment une histoire vraiment géniale et super bien réalisée auquel j'ai joué de toute ma vie. Et vraiment, ça fait vraiment très très plaisir de pouvoir le refaire en HD, et c'est vraiment très très plaisant. Vous pouvez voir qu'on a également d'ailleurs gagné le trophée de platine durant la vidéo, donc ouais, ça monte pas mal mon score de trophée, hein. Et il nous reste encore quelque chose à faire, mais on va se retrouver juste après les crédits, à moins qu'on puisse les passer. On peut les accélérer. Ah parfait, d'accord, on va les accélérer. Écoutez, j'aurais dû le faire avant. Puisqu'il nous reste encore
une petite surprise. Parlez, Jacko. Qu'est-ce que ça peut bien être? Waouh! C'est une ancienne porte précurseur. On dirait qu'elle ne s'ouvrira que lorsque les 100 trous seront remplis de piles d'énergie. On est des héros, n'oublie pas! Nous avons 100 piles d'énergie! Et donc les gens, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière sa porte, eh bien il faut donc jouer à Jack 2, voilà, que je ne ferai malheureusement ou heureusement, à vous de voir, si vous avez apprécié ce walkthrough là, mais que je ne ferai pas en walkthrough, en let's play, parce que, enfin, c'est un bon jeu, hein, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais qui est franchement très très chiant à filmer, et j'ai juste pas envie de le faire, voilà, honnêtement, je dois vous dire, j'ai pas envie de le faire, donc... On aura fini ce jeu à 100% les gens. J'espère vraiment que, encore une fois, que ce walkthrough vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à le partager encore une fois avec des amis, si jamais vous pensez que ça peut les intéresser de voir quelqu'un finir le jeu à 100%. Ou si jamais vous voulez de l'aide pour certains objets, et ben sachez qu'ils sont tous récupérés dans mes vidéos. Et que donc vous pouvez tous les trouver dans mon walkthrough, donc sur ce jeu. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la playlist sur ma chaîne pour voir directement toutes les vidéos de ce jeu. Voilà, donc sur ce les gens, je vous dis à plus. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et que ce walkthrough vous aura plu. On se retrouve pour d'autres nouvelles aventures sur ma chaîne. Je vous dis à plus, faites bien, chauffez les pads, amusez-vous bien. À plus, c'est le Biatch.